Allez, salut, c'est encore Philou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario. Donc on se retrouve en fait, on s'est laissé au dernier épisode. Donc pourquoi j'étais juste ici, l'épisode s'est terminé. Donc en fait, y a pas de raison, bon j'ai planté, j'ai décidé d'en arrêter l'épisode. Donc on va continuer, donc désolé si j'ai pas dit mes petits adieux aux derniers épisodes. Donc aussi petite information, comme vous avez probablement pu le voir dans quelques de mes vidéos, mon micro peut faire ça des fois. En fait, quand je parle fort, il y a du vent qui va dans mon micro parce que j'ai perdu l'espèce de anti-vent, le petit protecteur qui permet de pas entendre des grichements comme cela. Donc je vais sûrement m'en trouver un autre ou me racheter un nouveau micro. Donc désolé si ça vous énerve, ça devrait être changé dans les vidéos à venir. Donc on va continuer de chercher un passage secret pour s'en aller de cette pièce. Des belles fleurs, n'est-ce pas? Elles sentent si bon, je suppose. Ok, donc on est sur le balcon. On peut pas s'envoyer en bas, non? Je suis vilain. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Belle cheminée, le feu est agréable. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si j'appuie sur des touches? Rien du tout. Je peux pas aller par là-bas. Donc, vous... Oh. Oh, regarde, il y a quelque chose derrière ce tableau. Hey, hey! Oui, cool, nous pouvons faire sortir d'ici. Ouais, ok, non, c'est moi qui devais bouger en fait. Wow. Oh. Où sommes-nous? Qu'il n'y aura pas de garde par ici. Moi, j'avais un mon aller. Hey, regardez ça. On dirait que quelqu'un a oublié son journal intime. Ici, nous le lisons. Lire. Juste un peu. On va le lire parce qu'on est des voyous. Oh, tu viens me faire ce genre de choses, non? Bon, mais très silencieusement alors. Voyons voir. Jour 00, mois, étoile, ensoleillé. Aujourd'hui, je suis allé à Havre Étoile et j'y ai volé la baguette étoile. Je suis invincible, enfin. Oh, c'est le journal de Bowser, les amis. Donc, j'ai capturé ces 7 esprits étoiles. Comme ça, ils ne m'ennuieront plus. Donc oui, j'ai pas mis mon chronomètre, mais c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On peut enfin dépasser les épisodes de 15 minutes. Donc, il n'y aura plus de problème de chronomètre, là, de coupure aussi à des moments. Donc, j'aurais aimé ne pas le faire. Donc, on va voir des plus longs épisodes. J'avais vraiment hâte de pouvoir dépasser la limite, en fait. Donc, j'ai capturé ces 7 étoiles. Comme ça, ils ne m'ennuieront plus. La journée était rude. Je suis sur les rotules. Le dîner était bon, mais fade. Il me semble connaître la personne qui a rédigé cela. Devrait-on continuer à lire? Avec plaisir. Bon, continuons. Jour 0, X, mois, étoile, nuageux, puis ensoleillé. Quelle bonne journée avec mon château. J'ai soulevé celui de la princesse Peach dans le ciel. Puis j'ai pénétré dans le château et écrabouillé Mario. Quel bonheur. Après ça, j'ai kidnappé la princesse Peach. Quel bonheur. J'espère qu'elle m'aime bien. Princesse Peach, c'est le journal de... Intime de Bowser. Que faire? Et si nous continuons? Oui. Jour XX, mois, étoile, ensoleillé. Les frères Koopa sont faits vaincre par Mario. Il a même libéré ce maudit esprit étoile que j'avais emprisonné. Je suis si furieux que j'ai du mal à écrire. Oh, je suis Mario, je suis grand. Je suis si grand, fort et beau. Je le hais. Mais il ne pourra jamais sauver l'esprit étoile retenu dans les ruines sec-sec. Pour y arriver, il devrait résoudre l'énigme des ruines dans le désert sec-sec. Comment serait-il arrivé jusqu'au désert? Je n'ai rien à craindre de ce côté-là. En fait, je vais même me coucher maintenant. Les ruines sec-sec?
au milieu du désastre sec. Un des esprits étoiles s'y trouve enfermé. Tinsel, tu pourrais trouver Mario pour le prévenir? Bien sûr, Princess Peach, je vais le trouver dès ce pas. Oh non, je peux pas croire que j'ai oublié mon journal intime à la vue de tous. Ce serait ça embarrassant si quelqu'un le lisait. Quoi? Que fait la princesse ici? Ah, petite fouineuse, blablabla, j'ai pas eu le temps de dire, désolé. Roi Bowser, y a-t-il un problème? Vous êtes les plus mauvais gardes possibles. Ramenez la princesse dans ce quartier tout de suite. Oui, sire, excusez-nous, sire. Non, laissez-moi! On va reprendre le contrôle de Mario. Super. Et toi, je peux te parler. Non, non, non. Mario, je crois que tu vas tous nous sauver. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Depuis que tu m'as sauvé de ma prison, mon pouvoir est revenu et je vais récupérer ma force petit à petit. Tant que j'aurai une 11 énergie, je combattrai à tes côtés. Mario peut utiliser le pouvoir des esprits étoiles en combat. Pour utiliser un pouvoir étoile, tu as besoin d'énergie étoile. Tu veux que je t'explique comment tout cela fonctionne? On va s'en passer, on va comprendre tout ça comme des grands garçons. Tu devrais m'écouter, c'est vraiment important. Tu veux que je t'explique? Ah, tu t'insistes. Permets-moi de t'expliquer. Bon, Mario, ceci est ta chose à énergie étoile. Oui. Tu vois, avec, tu pourrais toujours savoir de combien d'énergie étoile tu disposes. Tu vois l'étoile à droite de la jauge? Chaque étoile représente une unité d'énergie étoile. Laisse-moi te parler des pouvoirs étoiles. Tout d'abord, laisse-moi te parler de régénération. Ce pouvoir te permet de récupérer 5 PC et 5 PF en une fois. Essaye, tu vas voir. Oh, donc on a une nouvelle petite icône. On manque au niveau d'énergie étoile. Guérir, poison et miniaturisation. Mario! Wouhou! Tu vois, tu as récupéré 5 PC et 5 PF. Tu as utilisé un point d'énergie étoile, tu n'en as plus. Survive ta jauge au cours des combats. Donc à chaque fois que le tour passe, l'énergie étoile s'augmente tout seul. Donc oui, je sais. Maintenant, je vais te décrire un autre pouvoir étoile, méditation. Méditation est un pouvoir qui te permet de gagner plus d'énergie étoile que pendant un tour normal. Tu verras que ta source d'énergie étoile est presque vide, même si tu la remplis peu à peu. Et c'est méditation. Yay! D'accord. Tu as vu comme ta jauge se remplit rapidement. Méditation t'aide à regagner plus d'énergie étoile. Ouais, mais on perd un tour. Enfin, je crois. Tu peux également remplir ta source d'énergie étoile en allant dormir dans une des maisons Toad. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu feras bon usage des pouvoirs que nous t'accordons. Mario, écoute attentivement, tu dois vite sauver les autres esprits étoiles. Sinon, nous sept... Si nous sept... Nous...
Donc, si nous sept sommes réunis, nous pourrons t'aider avec un nouveau pouvoir, le rayon étoile. C'est la seule chose qui puisse annuler les effets de la baguette étoile de Bowser. Je dois retourner à Havre étoile maintenant. Je dois partir, mais je verrai toujours sur toi. Sauve-nous, Mario. On va sauvegarder, les amis. Oh, la texture de l'eau est pas mal. Non, en fait, non, c'est une blague, c'est très joli. Donc, sauvegarder. Parti sauvegarder, super. Oui. Donc, on se heal. Et on fout le camp. Oh, 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 oh. On va appeler Bombinette, désolé, coupe. Non. Où allons-nous comme ça? Un coffre. PF plus augmente votre... Non, maximum de PF de 5. Cool. D'accord, donc on va venir juste ici. On va aller par là-bas. Merde. Ouf. Merde. Ça, ça fait... Chichi. On va en perdre la vie. Aïe. Ça va pas très très bien, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'on va fuir. Donc vous l'aurez compris, je joue sur PC, mais je l'avais dit au début, comme je suis con. On va essayer de... Ouf, là là là, n'y pense même pas, petit coquin. Ici. Wow, aïe, aïe, aïe. Oh, non. Orina. Ah, et puis merde. Non. On traverse un pont bizarre. Yay! Tant qu'on a la possibilité d'augmenter nos points de vie, je crois qu'on va le faire. Tourne. Ici, ça le bat. Encore deux. On peut le faire. Voilà. Donc, je crois que l'étoile va bientôt venir nous voir pour nous dire qu'il faut aller aux ruines Sec-Sec. Et je crois qu'on va se laisser aux ruines Sec-Sec si c'est pas trop loin, évidemment. Ah, putain. You.
Esquive. Ouais. Donc j'esquive les combats parce que je crois que c'est pas des combats super utiles. De toute façon, ça donne pas énormément d'XP. C'est un Mario. Je t'attendais. C'est l'étoile. Oh non. Je t'avais pris nu. J'aurai ma revanche. Allez, fiette. Montre-moi ce que tu veux. Donc c'est l'espèce de... Wow. D'accord. Mario, c'est à toi que je parle. Je te promets, cette fois, je vais t'en... Tu vas en baver. Qui est ce bébé? Tu veux vraiment te défier? Il rigole, il veut... J'ai de la misère, désolé. Qui est ce bébé? Il veut vraiment te défier. Il rigole, non. La ferme. Toi, Mario, tu te souviens de moi? Ouais, c'est moi, Troupa Junior. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Ça va cogner, Mario. Je vais te montrer le dernier coup que j'ai appris. Yeah, regarde un peu ça, t'as jamais rien vu. Merde! Tu n'as jamais rien vu d'aussi puissant, hein? Tu ne peux plus rien me faire. Oh non! Qu'allons-nous faire? Hey, voilà, donc on a trouvé un peu la technique. Je vois pas ce qu'on peut faire. Ok, donc on l'attaque quand même. Ouch, je n'aurais jamais cru que tu puisses devenir aussi fort. Grr, mais je t'ai pas dit mon dernier mot. Yeah! Ok, on va utiliser marteau encore une fois. Allez, on l'achève. L'attaque de 2, c'est quand même pas si mal que ça. J'espère qu'on va le suivre bientôt. Donc ouais, puisqu'on a la possibilité de dépasser la limite de temps sur YouTube, je crois que on va faire des vidéos d'environ 20-25 minutes. Mais ça dépendra toujours des épisodes aussi. Comme là, j'ai pas mis mon compteur, j'arrêterai au moment que je voudrais. On va continuer de le bourriner. Une chose que j'avais pas... Non, non, laissez faire. Laissez tomber, les amis. Allez, crève, bordel. Quoi? Mais c'est le point étoile parce que je comprends pas trop pourquoi qu'on puisse pas l'attaquer. Oh,
yeah, baby! Putain, comme j'ai attaqué puissamment! Il a crevé. Donc on revient au village de Todd, je crois. Et oui, nous y voici. Mario! Mario, Mario! C'est moi, Tinsel, tu te rappelles de moi? On dit que tu as sauvé les esprits étoiles capturés par les frères Koopa. Bowser et sa bande sont vraiment en colère. Je savais que tu en étais capable, Mario. Continue comme ça. Bref, façon autre chose, je t'apporte une information très très importante. Il semble qu'un des esprits étoiles est toujours retenu quelque part dans le désert Sek-Sek. Bowser l'a écrit dans son journal. Il est dans les ruines Sek-Sek. La princesse a pris de sacrés risques pour que tu aies cette info, Mario. Si on trouve autre chose, je viendrai te le dire sans traîner. Je dois retourner avec Sa Majesté maintenant. Elle est si courageuse. J'espère que cette info te sera bien utile. Donc c'est comme le petit messager entre Mario et Peach. Donc les amis, on va sauvegarder ici. Je sais pas si je vais continuer jusqu'au Ruin Sek-Sek. Non, ben les amis, puisqu'on a un point de sauvegarde ici, je crois qu'on va sauvegarder ici. Et ben, on va se laisser pour cet épisode. Donc ben, toujours merci de me suivre, merci de m'écouter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Donc, ben, c'est tout pour cet épisode, donc à plus.